Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? D'où venez-vous? Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Alors, dans la vie, depuis un peu plus d'un an, je suis retraitée. Je m'appelle Christine Robin et c'est mon premier mandat comme élue, adjointe à la démocratie vivante et permanente à la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher. Super. Est-ce que vous pourriez nous décrire les raisons de votre engagement pour l'innovation démocratique? Alors, ben, j'ai découvert cette fonction-là et en même temps, par mon passé de vie associative, j'ai été amenée à côtoyer forcément les citoyens et puis à essayer de voir de quoi ils pouvaient avoir besoin, de quoi ils pouvaient avoir envie pour améliorer leur vie. Et du coup, c'est pas une continuité, mais en tout cas, ça me paraît tout à fait, comment dire, ça fait partie du quotidien. Génial. Qu'est-ce que vous pensez des rencontres en deux, trois mots? Bah, c'est un bon moment de respiration, un bon moment d'échange. Moi, je suis très très heureuse de pouvoir avoir, alors que ce soit par les webinaires ou ici en présentiel, malgré les conditions sanitaires. C'est vrai que ça permet d'entendre des choses, de dire des choses, de partager. Et pour moi, c'est essentiel dans la vie d'élu parce que c'est des moments qu'on n'a pas forcément souvent, qu'on peut avoir avec la majorité, les autres élus ou les services, mais c'est pas pareil. Le fait d'avoir à la fois des avis et des témoignages d'autres collectivités plus ou moins grandes, je trouve que c'est très important et c'est très enrichissant. En tout cas, je me nourris beaucoup. Super. Donc vous êtes adhérent au réseau des territoires. Qu'est-ce que ça vous apporte, même si voilà, vous avez commencé à y répondre? Réseau des territoires, ben, ça fait à peine un an, je pense. Voilà. Et bah oui, c'est ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Moi, j'ai besoin d'être en contact. J'ai besoin de voir ce qui se fait aussi sur les autres territoires pour voir un petit peu comment je peux, c'est pas comparer, mais en tout cas essayer de m'enrichir avec ce qui se fait ailleurs. Et enfin, une dernière question. Depuis que vous êtes impliqué dans des projets d'innovation démocratique, qu'est-ce qui en vous, dans votre manière d'être ou dans vos ressentis, a changé selon vous? Alors, je crois que ça m'oblige à être encore plus ouverte et plus tolérante, parce que la démocratie, c'est vraiment un boulot de tous les jours. Enfin, un boulot, c'est pas vraiment un boulot, mais c'est une activité de tous les jours et qui nécessite beaucoup d'humilité. Voilà, donc je continue à apprendre l'humilité et je trouve que c'est très bien. Je vous remercie et bonne suite de rencontre à vous. Merci.